L'université Félix-Oufouette-Boigny rend hommage à un chercheur, professeur Niamke Kofi, enseignant à l'université Félix-Oufouette-Boigny. Ses pairs sont unanimes. L'enseignement de la philosophie a connu une révolution avec la contribution du professeur Niamke Kofi. Serge Gongomé, Abou Sanogo. L'enseignant, le politique, l'homme. C'est le thème de ce colloque international de 3 jours initié par le département de philosophie de l'université Félix-Oufouette-Boigny. Un colloque dont l'objectif est de rendre hommage au philosophe ivoirien Niamke Kofi, le premier noir à enseigner la philosophie en Afrique. Il est également le premier Africain à prendre position dans le débat international sur l'existence d'une philosophie africaine. Niamke Kofi, il faut le dire clairement, est un penseur, un grand philosophe que je cite souvent dans mes cours. Le professeur Niamke Kofi a pendant près de 40 ans formé de grands intellectuels africains, dont la plupart enseignent aujourd'hui dans différentes universités d'Afrique et d'Europe. Niamien Ngoran, inspecteur d'État, a salué l'engagement de Niamke Kofi avant d'exhorter les étudiants à faire bon usage des infrastructures universitaires. C'est leur bien. Ils doivent veiller sur les locaux, sur les installations, parce que ce sont les efforts que la nation a faits pour leur formation. Sensible à l'hommage à lui rendu, le professeur Niamke Kofi a dit sa joie. L'émotion est grande et je suis fortement impressionné par tout l'effort déployé par mes collègues pour réaliser cette cérémonie d'hommage. Je pense que cette communauté pourra toujours conserver cet esprit de solidarité. Remise de présents et exposition de photos ont mis fin à la première journée du colloque international d'hommage.